Je suis très ému de voir tout ce bon monde-là venir répondre à mon appel et je suis aujourd'hui très honoré. Et à travers la direction générale représentée ici par Madame la directrice du réseau, Madame Aminata Seck, nous transmettons à toute la population de Kolda nos vifs remerciements et nos émotions les plus émues. Et nous souhaitons une collaboration fructueuse et gagnante-gagnante et nous pensons que cette collaboration va réussir. Dans le cadre de notre approche, nous sommes une banque qui proposons des produits et services adaptés à nos clients. C'est pour cela que vous constaterez dans l'appellation de nos différents produits des noms qui ont des connotations carrément sénégalaises comme Sargal Djigen, Dolel Komkom, etc. C'est des produits qui sont adaptés aux demandes de nos clients. Et nous sommes prêts aujourd'hui à accompagner tous les partenaires dans la limite du possible, notamment dans notre ligne de contribuer au développement de l'Afrique. Et encore merci au Fouladou. Je n'ai pas vraiment les mots, puisque je suis aujourd'hui honoré. On vient d'ouvrir l'agence de Djigen Chor. L'ouverture a été une réussite et je pense que c'est également pour l'ouverture de Kolda. Et merci encore à la population. Merci à tous les opérateurs économiques qui sont aujourd'hui des partenaires privilégiés, qui ont accepté de laisser leurs préoccupations pour venir répondre à cet appel. Coris, à travers ma voix, vous remercie et vous souhaite vraiment une bonne collaboration et à très bientôt pour contribuer énormément au développement de cette localité qui est Kolda. Kolda aujourd'hui est une fierté. Je suis là depuis 3 ans et je me sens bien ici à Kolda. Et c'est vraiment une fierté de venir à nouveau dans un autre cadre, notamment au niveau de Coris Bank International, pour booster le développement de Kolda. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est à travers cette banque de faire relever le niveau de développement de la localité. C'est merci encore au Fouladou et merci à tout le monde. Je dois pas avouer que je le fais au nom du maire Mambo Diaw, qui m'a appelé ce matin pour véritablement m'inviter à venir le représenter à cette importante cérémonie. Nous avons dit que le Kolda est là. Parce que si on a une banque du Fignon, au départ, on n'avait que la Société Générale. Vous avez vu, il y avait la Banque of Africa, il y a CBAO. Aujourd'hui, nous accueillons Kouri Bank. Nous pensons que Kolda marche. Et cette marche doit servir davantage les populations de Kolda. Nous devons nous gourgourler. Askan bi seni jafé jafé wañé banque fi ñu yalla dimbal leen ben liñ bëgg ci sen chiffre d'affaires ñu am ko nous accompagnons aussi population fortement au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise nous dimbali askan bi parce que population c'est vrai que maire lañ ko dénk mais banque bi école yi poste de santé yi ñëpp am nañ rôle bu ñu jouer ci process bo. Nous avons une bête de bas, nous avons dans la loi de la banque. C'est une fierté pour nous. De que nous avons une banque, nous avons une banque qui est magnifique, nous avons une banque qui est magnifique. Nous avons une banque qui est magnifique, nous avons une banque qui est magnifique. Nous avons une banque qui est magnifique. Nous avons une bête. Vraiment, permettez-moi de remercier toute l'équipe de Coris Bank d'avoir choisi Kolda. Ça veut dire qu'il y a de potentiel économique au niveau de Kolda que les banques aujourd'hui commencent à découvrir. Parce que après, pas dans cette dernière année, il y a eu pas mal de banques qui sont implantées à Kolda. Mais permettez-moi aussi de remercier M. Kouli, qui, Coris Bank, a bien fait son choix
Parce que si aujourd'hui il y a cette foule ici, il y a l'honorable qui est à mes côtés, il y a le président, il y a le maire Fabouligué qui vient de quitter, et pas mal d'acteurs économiques qui sont là, c'est grâce vraiment à sa collaboration qu'il a réussi à faire à Kola. Donc je pense qu'au niveau de l'autre banque, ce qu'il nous donnait, ce n'était pas suffisant. Il a compris qu'il fallait nous donner plus. Il est parti chercher une nouvelle banque. Ce qu'on attend de Coris Bank aujourd'hui, c'est de booster l'économie de la région de Kola. Et je pense que la couche la plus vulnérable aujourd'hui à Kola, ce sont les femmes. Et si une femme est directrice de cette banque aujourd'hui, les activités des femmes et la jeunesse vont vraiment être boostées. Mais ce qu'il faut signaler, nous sommes dans une zone de l'agriculture et de l'élevage. Il faudra que vous ayez des produits qui seront vraiment adoptés à ces deux secteurs. Donc aujourd'hui, si Coris Bank permet vraiment avec ces nouveaux produits que je viens d'entendre, tous ces couches-là, comme vraiment, je ne sais pas, comme une sargel jigen, dolel komkom, vraiment c'est des produits qui peuvent vraiment booster l'économie de la zone. Et je pense qu'avec lui, c'est bien possible. Parce que je le voyais quand il essuyait à monter certains dossiers, ou bien qu'on ne répond pas à ces dossiers, ça lui faisait tellement vraiment mal. Et je pense qu'avec cette nouvelle banque, avec cette nouvelle équipe, il pourra vraiment réussir. Et nous, on est là, pour vraiment l'accompagner. Et si vraiment il y a toutes les autorités de la ville à côté de lui, ça montre vraiment leur engagement à son côté pour faire bousser cette économie. Je suis venu à tous d'abord, je suis venu à tous. Je suis venu à M. Colli, qui est venu à tous. Vraiment, Mashallah. Si vous voyez ce qu'il y a ici, Yalla mom la ndax baxayam ak ouverturam ak disponibilité am surtout bi mu won wa Kola. Donc de remercier aussi madame la directrice mi nga xamantene ça fait vraiment un grand plaisir de faire sa connaissance tay parce que man suma gisee jigen jitu rek dama ci contane bu goor ñu mer nak. Donc di ne bismillah Coris Bank à Kola don mbecte bu reuy nak pour ñun koldoay ak koldoasi. Parce que xam nañu ni day bokku ci luy sukkari tay commune Kola, département Kola, région Kola. Di len ne bismillah len. En tout cas ñun mom on est là en tant que élu, on est là et on est prêt à accompagner cette banque là et on est prêt aussi à appeler nos leaders et nos responsables d'accompagner cette banque là ndax xam nañu banque bi dina bokku ci luy sukkari Kola. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est un projet qu'on avait. Aujourd'hui, c'est la satisfaction de la réalisation de ce projet. Parce que notre objectif, c'est être à côté de nos populations, de nos clients, pour apporter un service de proximité. Donc, Coris Bank, il faut rappeler que Coris Bank vient d'ouvrir sa 18e agence au niveau de Jigenshore. Et aujourd'hui, l'ouverture de cette agence au niveau de Kola porte notre réseau à 19 agences. Donc, c'est une politique de proximité pour apporter un service financier adapté à nos clients. Et nous espérons que l'arrivée de Coris Bank au niveau de Kola sera un plus pour tout le monde, pour tous les opérateurs, pour les ménages. Je parlais tout à l'heure de proximité. C'est la proximité. Coris Bank est une banque panafricaine qui est présente dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Donc l'idée, c'est de s'implanter dans chaque pays de l'UEMOA et d'être plus proche aux réalités économiques et sociales des populations. Donc si vous regardez les noms de nos produits, Doroar, Dolel Jigen et autres, vous voyez que c'est la proximité, c'est l'environnement économique et social. Donc c'est apporter un service adapté aux besoins de nos populations. C'est la banque, on a accompagné l'équipe nationale du Sénégal à travers un partenariat qui a fait de Coris Bank la banque officielle des Lions. Et aujourd'hui, c'est la banque des champions. C'est la banque de l'équipe championne d'Afrique. Donc, on reste sur notre créneau, une banque panafricaine. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Coris Bank, la population coldoise peut compter sur un partenaire fiable et solide. Parce que je le disais tout à l'heure, Coris Bank est la troisième banque de la zone UEMOA. Donc c'est un partenaire solide, c'est un partenaire fiable et c'est un partenaire dont l'ambition est de les accompagner de façon efficace et efficiente dans la réalisation de tout ce qui est projet économique, social. Donc on sera à vos côtés au niveau de Kola et on espère que d'ici l'année prochaine,
cette banque, cette agence sera hissée au rang des premières agences de la ville en termes d'accompagnement, de financement, en termes d'offres de produits financiers et en termes de qualité de service. On vous remercie tous et on remercie toute la population coldoise de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé.